ezala pona zamba, ezala pona minere, a partir à lelo, on ne veut plus de l'exportation, exploitation ou exploiter vos mémis en gros brits bokeh. Voilà comme annoncé avant, nous sommes là en face devant Monsieur le Président fédéral des AFDC UK, j'espère bien. C'est Monsieur Fabien Ilunga. Fabien Ilunga, il est là, vous êtes venu accompagner ou soutenir l'activité qui a été ici par rapport à la dame, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement. Donc, il y a l'inga la pauvre Ndegoba comprendre bien. Président, présence à AFDC et ça à Nini Awa. Bon, AFDC, vous voyez, c'est un parti qui est en Congo. Donc, nous sommes presque la première force politique. Alors, nous sommes dans l'Union Sacrée. Et Madame Bazaïba, qui est la vice-ministre de l'Environnement, est dans notre gouvernement. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui sont à Yéawa, la mission, toi qu'on peut accompagner, toi qu'on peut essayer de supporter, soutien, la mission à Zosala. Donc c'est ça notre présence. Montrer que nous sommes unis, nous sommes dans une même famille, nous sommes au même au gouvernement ensemble. En tout cas, elle a passé un message, elle est... Pour moi, elle est presque un ingénieur hein, et nous a vraiment enseigné sur l'environnement. Et c'est ça le plus important. Si vous présentez un peu que nous conscience de ça là-bas, aux émissions pénales appropriées, c'est grave de ces aranines. Beaucoup en a raté. Les cas d'élection de Banabou, beaucoup de députés belés, net si vous êtes surtout qui, non, c'est le bateau. Eh, mais c'est pas les belés, mais vous voyez une stratégie, n'invitez, c'est grave de ces aranines. C'est-à-dire que. Bisso, tout ça, tout le monde a battu action, tout ça pragmatique. AFDC, ils ont parti, ils ont implanté sur toute l'étendue du pays. Non, non, quand même, vous recrutez à Wapi, vous avez occultiste, n'invitez, vous savez, vous savez, non, comprenez, AFDC. Tout ça, occultiste, c'était. Tout ça, parti, ils ont parti intellectuel. Hein. Excuse, occultiste, il y a religion, il y a battu, il y a battu, il y a battu, comme la Zara. Tout ça, au moins d'abord, ce qu'on a dit, l'idée en Abisso, le président national, l'autorité morale, a rempli tout ce qu'il faut pour le gérer Mokawana. Alors tout le monde se retrouve dans lui. C'est un parti qui n'a pas tendance tribale ni c'est un parti national. Tu vois. Nous sommes implantés dans tous les territoires du pays. Sauf qu'il y a un village d'union sur le coup de l'AFDC. Sauf qu'il y a un aéroport dans tous les pays, nous avons l'AFDC. C'est seulement les chantiers. Ce n'est pas, disons, les militants. Ils ont un cadre à l'AFDC. Mais nous avons des militants aussi. Les jours Maman Ndunda peut aller à l'AFDC. Maman Ndunda, chauffeur. Cadre, j'ai retrouvé même mon ami, mon collègue, Maître Roger. C'est un plaisir au collègue Nanga Iniki, mon Maître Roger. Il m'a fait son. Et là, on est au Koloba pour un bateau pour un jour rejoindre AFDC au bazar en Europe, particulièrement en UK. C'est très simple. Vous entrez en contact avec la fédération. On va donner un numéro si ça ne dérange pas. Hein. Bon. Numéro 079 60 534 798. Voilà le numéro d'Angaï. Ceux qui ont vu Ngaï, ils ont fait ça. Bonsoir, Maman Godet. Bonsoir, papa. Aux présidents, c'est la Ligue des femmes, il y a AFDC UK.
Tout le monde qui a eu pour les alaki maman ministre à moi ou bien faire bien ma soleil les gabon. Tu y es karaté parce que maman à moi si tu y es parce que zalan paye ma kamboamboka parce que n'est pas bien à FDC tout ça la ma kamounia surtout ya yamboka tout ça pena kati tout ça tout l'ingé tout soutenir ba action ya gouvernement donc c'est n'a qui tout ça la paye awa pour la quoi accompagner ba action yon soya gouvernement. Donc ezaka kapo neza mwa cité oui aza mwa cité zo supporter peut to sepeli pe na ndenge ke parité salamaki quand même que 35% je crois si ko ya basi baza représenté na gouvernement eza eloko moko vraiment to sepela ki nango makasi to yepe ko supporter na son swana. OK bon au delà ya relation na bino na kati ya union sacré ko union so yo yo ki awa pena wa congolais éveillé na mon oza mutamaele. Est-ce que maman a petit bandika à cause de azab nana volonté politique au kokisa makambo yalo? En tout cas maman a sololi très bien a beti penza bien parce que na makambo a lobby ezali ba point sensible o eza na mboka na biso o peso ki totali liboso ba bandaki ko lobelango na polele boete mais kasi maman a yebisi biso ango tango azolo bake na liboso makambo bandaki ko lekape ba bandaki ko lobelango te yé à combattre liboso mexico ezali sous tango ya koloba lobate et komi tango ya ba action alobi makamba solo alobi et komi tango ya ba action donc to komi na tango ya ba action yango to kotala alobi azui ba mesure o biso nyoso to yoki to landi tango azoloba o esala makili liboso te donc ba action e bandi awa na novembre cop ke salama mama Eve Bazaiba asengi mobilisation ba konle ba ko manifester pour to soutenir action ya ya nini bou. Est-ce que na novembre vous êtes prêt yo mama à part veste pour jour wana na silvette to loba liboso ya mindele ba ka ke ba matra biso kota ya contre pollution. Bon déjà na éviter pourquoi on mentionner veste parce qu'ils allent en veste, ils allent en trailing. L'essentiel est que donc ils doivent défendre Mboka na biso. Toye awa lelo, je pense que maman Eve Bazaiba a sali biso quand même honneur. Déjà pour nanga premièrement en tant que femme, Nazar ressortissant Mboka Congo oyo, ce qu'on tali bien à gouvernement kota ya basi est minime par rapport aux hommes alors que la totalité na Mboka na biso basi baza plus alors qu'il y a moins de femmes dans le ministère. C'est pas grave, il y a un commencement, mais je suis très fière. Il y a Madame Bazaiba, Namusala Sala, et puis sur ce, tout ce qu'elle a dit, c'est, en fait elle a parlé, n'a pas preuve à l'appui. Ndenge camarade nanga wuti koloba awa ya c'est-à-dire que comme moment ya ba action on a trop parlé comme yemo koloba qui d'ailleurs ils en attendent pour na kobunda ils en attendent pour na koswana ils en attendent pour na kosala msala ils en attendent pour na kosala msala donc dans ce sens là nanga lobi 2023 za awa to kozoyer au monde mais en tout je pense que conférence à lelo et l'équipe bien président Lobaki mais biso tozali ezali FDC c'est vraiment une force politique au batinyo sobaebi et ezali force politique moko intégrée toyaki awa koyamba mama Bazaiba parce que elle fait partie à pouvoir au biso tozali ko faire partie toyé ko soutenir action à gouvernement et que toyé peko la kisake FDC et tozali et que tous allés opérationnels. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Maître, vous avez un mot à poser par rapport à tout ce qui s'est passé ici? Non, nous ne pouvons que soutenir, n'est-ce pas, l'action du gouvernement. D'autant plus que maman Eve Bazaiba, qui est la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, a yaki pour restituer, n'est-ce pas, na ba compatriote na ba noné ba congolais. Et là qu'on est tinda qui est côté et par rapport à ça il dit que un problème climatique aux se poser n'est-ce pas dans le monde le Congo résorbe toutes les potentialités possibles pour pallier à ces problèmes pour résoudre ces problèmes alors une raison de plus étant donné que nous sommes censés protéger l'environnement notre environnement Tolinga qui en principe toyokaye n'est-ce pas ba mesure oninazwa qui ozaki déjà défendu en amont na Mboka et Biso Awa tous à la kaka pour soutenir n'est-ce pas pour accompagner la mesure wana pour qu'elle a adopté et puis après pour na kosunga
bande de connexions à travers le monde. Vous avez un mot pour les intellectuels ou les jeunes comme vous qui sont ici à UK par rapport à une sorte d'invitation, comment ils peuvent rejoindre l'AFDC UK? Non, non, l'AFDC UK, je pense qu'à travers, n'est-ce pas, le président fédéral, c'est une organisation qui s'ouvre à tout le monde, principalement aux jeunes, n'est-ce pas, soucieux de développement de leur pays. Nous ne sommes que, je dirais, on les attend à bras ouverts. D'ici là, nous allons vous communiquer nos adresses où facilement les adhésions pourront commencer à se faire. Donc, on est là. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.